Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui exceptionnellement pour un haul Primark. Je viens de rentrer de chez Primark. On s'est tapé Liège. Donc, on a eu plus d'une heure de route, enfin, une heure et demie. Ouais, une heure et demie, 1h40. C'est pour ça qu'on n'y va pas très souvent, c'est parce que c'est très loin. On en a un peu plus près en France, à Metz, à 45 minutes, mais il est moins gros. Et là, normalement, on devait monter sur Liège. Donc, du coup, en montant sur Liège, on voulait profiter d'aller chez Primark. Du coup, le fait qu'on doit monter sur Liège s'est annulé, mais j'ai regardé, on y va quand même. Et du coup, j'ai dit à Bichette de venir nous rejoindre pour qu'on puisse aussi se voir et profiter. On a été manger un bout. Un superbe bon dessert aussi, voilà. Et donc nous on est passé chez Primark. En fait, de base, c'est Sam qui voulait y aller avec les sous de Noël pour se rhabiller parce qu'il adore ce magasin. Mais du coup, il n'a rien trouvé. Donc, là, je lui ai dit, bah écoute, quand on rentre, on fera sur Chine. Comme ça, tu regardes ce que tu veux. On te fera les commandes Chine pour le budget qu'on lui avait fixé. Parce qu'on lui avait rajouté un peu de budget pour chez Primark. Et donc on vous fera un haul Shein spécial Sam. Voilà. C'est lui qui fera les try-on et tout ça. Et il dira ce qu'il en pense, s'il trouve que ça lui va bien et compagnie. Mais par contre, moi j'ai trouvé des choses. Bien évidemment. Par contre, j'ai pas trouvé le rayon papeterie et compagnie. Je suis déception. Mais alors, grosse déception. Ils l'ont bougé. En fait, c'est Manon après qui m'a dit parce que. Après qu'on s'est retrouvés une fois que nous on avait fini le Primark. Et elle m'a dit, maintenant il est au deuxième étage et je ne l'ai pas vu. En même temps, il y avait beaucoup de monde. Après, je manque pas de carnet, je manque pas de stylo, de tout ça, mais c'est un rayon que j'adore. Voilà. Alors vous allez voir que je crois que je n'ai que des produits, enfin des articles Stitch. Et quasi que des pyjamas. Je crois que ça vous étonne pas. Donc, on va commencer tout de suite. Ça ne sera pas un très grand. J'en ai eu pour 89 euros en tout, en sachant qu'il y avait une paire de chaussettes Super Nana Pilou Pilou pour Manon, qu'elle voulait à 4 euros. Donc, pour moi, j'en ai eu pour 85 euros. Chéri s'est pris un pull aussi, mais je ne sais plus à combien il est et il l'a dû enlever. Donc, voilà. Donc, j'ai pris un gilet Stitch. Couleur Stitch avec un Stitch floqué juste ici. Alors, il n'y a pas de poche, il y a une capuche. Et voilà, il est bleu couleur Stitch, quoi, vraiment. Donc j'ai tout pris en S. Je crois que j'ai vraiment tout pris en S, je ne sais plus. Et il était à 14 euros. Mais je l'ai trouvé trop beau. Et il est mouté un petit peu à l'intérieur. Il est un peu comme celui des Super Nana que je vous ai montré que vous allez voir dans le haul Shein. Je ne vous l'ai pas encore montré. Et vous avez eu donc le vlog hier. Pour ceux qui n'ont pas vu qu'il était sorti, vous avez eu le vlog hier. Je vous remets en barre d'infos si jamais vous n'avez pas vu qu'il était sorti. J'ai pris un pantalon de jogging Stitch en taille S toujours à 11 euros. Donc là, c'est un bleu marine. Il y avait le bleu, exactement le même bleu que le gilet, mais le Stitch était tout rikiki. Et j'ai gardé celui-là parce qu'il était plus grand. Voilà. Mais ça ira quand même très bien ensemble. Moi, je vais te déranger. J'ai pas perdu le temps. Oui, j'ai vu, j'ai reçu le message. Je 4-4 regarde déjà. hein? 4-4 déjà. Fine! Mais il y en avait pour 24 euros pour la première commande. Donc, Tu me diras, t'en auras combien pour celle-là? Ouais. J'ai pris un autre pull Stitch. Il était trop beau. Voilà, j'ai craqué. Il était à 11 euros aussi. Celui-ci, j'ai pris en XS parce que vous voyez, même en X, il n'y avait pas S en fait. C'était soit XS, soit ça passait directement au L, je crois. Et le L, c'est même pas la peine. Hein. Déjà, le M, je nage dedans chez Primark. Alors, le L, je vous raconte même pas. Mais voilà, j'ai trouvé trop kiki. Donc, après, vous savez, ma passion pour les trucs Stitch, je crois que vous avez compris. Il n'y avait pas le gougou. Voilà. On a juste vu une paire de pantoufles, mais ce n'était pas la bonne taille. Ah, bah, ça, c'est pas Stitch. Et ça, non. Si, j'ai rien dit. Je vous montrerai ce qui n'est pas Stitch après, mais il n'y a que deux choses, je crois. J'ai pris des chaussettes Stitch. C'est vraiment un haul Stitch. Hein. Donc, il y a trois paires pour 9 euros. Non, 4,50 euros. J'ai rien dit. Donc, on va écouter. On va les ouvrir tout de suite. Il y avait deux modèles, mais les autres, c'était plus chaussettes de sport. Et je n'aime pas du tout les chaussettes de sport. Moi, c'est vraiment les chaussettes fantasy que j'adore ça. Donc, vous avez ce modèle-là. Si ma nièce voit tout ça, elle va avoir envie de tout me carotter. Ou la copine d'Enzo aussi. Il y avait celle-là avec Angel.
Et voilà. Je suis trop contente. Mamie, elle est contente. Mamie, il lui faut pas grand-chose pour être heureuse. Alors, j'ai pris à chaque fois deux fois parce que j'ai pris pour mettre dans le swap aussi pour Manon. Je le dis parce que comme elle est tout près du Primark, elle retourne pas les chercher si jamais elle voit, elle va regarder ma vidéo, ça c'est sûr. Mais si jamais ça lui donne envie qu'elle retourne pas les chercher. Donc à 2 euros à chaque fois, un lot de 4 lingettes démaquillantes. Voilà, donc je lui ai pas retrouvé celle de chez Action la dernière fois. J'ai regardé pour lui prendre parce qu'elle les voulait aussi. Du coup, je lui ai oublié celle-là. Je crois que j'ai craché en même temps. Et bien sûr, je m'en suis pris pour moi. J'ai déjà les anciens modèles que j'ai sortis, qui sont comme ça, mais je les utilise pas pour me démaquiller parce qu'elles se séparent en deux, en fait. Vous voyez? Donc c'est extrêmement chiant. Celle-ci, c'est pas le cas. Donc vous avez une comme ça. Une comme ça. D'ailleurs, j'aurais pu en prendre pour mettre dans le lot du concours. J'ai pas pensé. Franchement, là, j'ai pensé qu'à ma tronche. Il en manque une, là. Comme ça. J'ai vraiment pensé qu'à ma tronche. Je suis désolée, les gens, mais voilà. Et j'ai pris un petit pochon comme ça avec 5 pads réutilisables à 2 euros aussi. Avec le petit filet pour les nettoyer. Donc ça, j'utilise pour appliquer ma lotion. Je défais le petit nœud. Ils ont l'air assez grands en plus. On ne voit pas bien les modèles hein, à l'intérieur, mais c'est stylé. M'en fous. Puis c'était en 2 euros en promo, donc en solde. Voilà. C'est des petits carrés comme ça. Ils sont vraiment sympas. Vous avez celui-là. Il est trop mignon. Il a le nez tout rose. Ici, Love Stitch. Exactement. Ici, avec des petits Stitch et des petits Angel. Et Angel toute seule. Voilà. Donc ça, Manon, va pas te les rechercher si jamais ça t'intéresse. Je te les ai pris. Ah! Chérie s'est pris des gros chewing-gum comme ça, j'avais pas vu, c'était à la caisse. Ça. Je les ai vus à la caisse, mais j'ai pas vu qu'il en avait pris. D'ailleurs, la caissière, elle me dit je crois que vous êtes fan de Stitch. Moi, non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça, je sais pas qui est par contre. Il y a 5 paquets à l'intérieur. Voilà. Alors, j'arrêtais pas de dire à Chérie, c'est bon, j'ai assez de trucs Stitch là. Et après, il me dit regarde celui-là. Bon, bah, mets-le dans le panier. Un gros pilou-pilou. Voilà, donc là c'était le duo pour. Il est où le price? 14 euros. Donc le haut et le bas. J'adore quand ils font des ensembles comme ça. Bien que dans ce qui est licence, Stitch et compagnie, il y en a très peu. C'est beaucoup tout à la pièce, hein, comme les dockings et tout ça que je vous ai montré. Bon, alors ils sont attachés. Est-ce que j'arrive à les séparer comme ça? Non, écoutez, je vais vous montrer comme ça. Donc, voilà à quoi il ressemble le haut. Ça, c'est ça, mais c'est vraiment c'est du gros moumoute quoi, du gros pilou pilou avec un stitch. Mais là, c'est brodé et même l'intérieur du col, il y a un stitch. Voilà, et le pantalon en pilou pilou stitch. Il est trop beau et ça tombe bien parce que des pantalons pilou, enfin des pyjamas pilou pilou à ma taille, j'en ai plus beaucoup donc je suis bien contente parce qu'en principe, quand ils font des duos comme ça, c'est vraiment des très fins. Et je préfère quand c'est bien épais comme ça pour l'hiver. Donc forcément pour l'été, vous ne mettez pas ça. Hein. Et les deux seuls articles qui sont pas stitch. Donc je me suis repris des culottes. Là, c'est 3 pour 9 euros. J'ai pris en taille M. Voilà. C'était pour être sûr que mon flamby et mon flubber rentrent dedans. Mais elles sont sympas. Je regarde toujours à ce qu'il y ait une grande bande élastique et pas de dentelle sur les coutures. Parce que sinon, j'attrape des irritations. Et c'est des avec effet léopard. Donc vous avez une camel, une beige et une noire. Voilà, tout simplement. J'adore leurs culottes quand elles sont assez hautes parce qu'ils font souvent des culottes mais très petites, vous voyez, genre petite fille. Et ça ne tient pas bien avec mon ventre flamby. Ça se casse la gueule. Et enfin, dernier article, 5 euros, mais j'ai craqué dessus. C'est un bustier comme ça. J'ai cherché après une chemise blanche pour mettre en dessous, mais il n'y en avait pas. Après, vous pouvez le mettre sur d'autres choses. Hein. Vous pouvez le mettre seul aussi, ça fait très beau. Mais c'est vraiment, c'est un peu rigide, mais ça reste souple.
Il n'y a pas de système de fermeture, donc il s'enfile, donc ça doit être élastique, j'espère, hein, parce que je l'ai pris pour les femmes assez élastiques. Je l'ai pris en S aussi, comme ça va bien maintenir les nichons, et il est en solde à 5 euros. Je ne vois pas le prix initial. Ah, ils ont enlevé le prix initial. Voilà, à la place de 10 euros, donc il était à 50%. Et je trouve que ça, ça fait vraiment très classe à mettre sur n'importe quelle blouse unie, hein, de préférence, enfin, quoi que. On essayera, je l'essayerai à plusieurs reprises sur certaines choses. Et même en dessous d'un petit ensemble avec un veston ou des choses comme ça, ça peut être très joli. Donc voilà, j'ai pris ça et je suis bien contente. Donc voilà pour mon haul Primark. J'ai pas exagéré parce qu'il n'y a pas énormément de quantité. Après, vu tout ce qui est Stitch, les licences sont hyper chères. Et vous voyez qu'il n'y a que du Stitch, ouais. Sauf les culottes et le bustier. Bon, sinon, tout le reste, c'est du Stitch. Mais quand j'y vais, c'est pour ça que j'y vais, principalement les pyjamas licence, puisque trouver ça ailleurs, un pyjama comme ça, pilou-pilou, au lieu de le payer 14 euros, vous allez le payer 40 balles, quoi. Hein. Chez Undies ou des trucs comme ça, c'est 40 balles. Donc j'y vais exclusivement pour ça. Les soins, enfin la beauté et tout ça, je m'attarde jamais dans le rayon. Déjà, chez nous, il n'est pas très grand, et en plus... Il n'y a rien qui m'attire particulièrement avec tout le stock que j'ai. Et comme moi, j'ai déjà des favoris de petit prix. Voilà, ce n'est pas des trucs qui m'intéressent plus que ça. Je suis en train d'essayer de défaire le nœud en même temps. Je ne sais pas si vous, vous aimez certaines choses. Bah, dites-moi ce que vous préférez chez Primark. Bon, j'arrive pas à le défaire. Il faudra que je coupe. Donc voilà. Alors, pour ceux qui n'aiment pas le pilou-pilou et les Disney, hein. C'est pas pour vous, mais moi je suis bien contente. Et c'est chérie qui arrêtait pas de me dire ah, regarde, t'as pas vu celui-là, ah, regarde, t'as pas vu celui-là, ah, regarde celui-là. J'aurais tout acheté hein, si je pouvais, mais après ça fait relativement cher pour tout le temps le même produit. Mais par exemple, ce genre de pantalon un peu jogging comme ça, je peux mettre pour traîner à la maison, ça fait quand même un minimum habillé. Le gilet, pareil, donc je suis bien contente. Voilà, ça, ça fait vraiment pyjama, mais le reste, ça passe quoi. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous aussi vous aimez ce genre de petites conneries. Il n'y a pas d'âge pour aimer ce genre de conneries. Voilà, dites-moi quel rayon vous préférez chez Primark. Vous, si vous êtes plus pyjama, chaussures, vêtements, sous-vêtements, beauté. Parce qu'il y a tellement de rayons dans ce truc. Mais papeterie, je râle de ne pas avoir trouvé le rayon papeterie. J'adore le rayon papeterie chez Primark. Mais bon, je suis pas en manque de carnet et compagnie, donc c'est pas très grave. Et voilà, donc dites-moi ça en commentaire. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas que le vlog est sorti hier exceptionnellement, parce que je vous ai la vidéo du haul pour aujourd'hui. Et voilà. Je crois que je n'ai plus rien à vous dire. Donc, vous avez le vlog, je dis n'importe quoi, il est tard, hein, et puis je suis crevée. Je vous mets le vlog en barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas vu hier. Et voilà, donc... On se retrouve toute la semaine prochaine pour les vidéos de films. Enfin, les make-up. Les vidéos des make-up de films. Je dis n'importe quoi. J'espère que ça vous plaira aussi. Et donc, en attendant demain, moi, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.